Bonjour les amis, alors on se retrouve toujours sur le stade de foot de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Et on a été coupé hein, un tout petit peu, donc désolé pour cet incident. Hein. Donc ici on va reprendre si j'ai pas d'autres problèmes techniques. On va continuer, d'accord, à faire un zoom sur le stade de foot de Mayotte, d'accord, immersion 2 du stade de foot et Mamoudzou. On va continuer, d'accord, quelques petites secondes. Alors désolé parce que ça a été coupé. Allez, c'est parti. Alors ici, donc comme je disais, on est sur le stade de foot de Mamoudzou, qui est la capitale de Mayotte. Alors, mesdames et messieurs, on doit voir quelque chose d'exemplaire. Quelque chose d'exemplaire qui est très énorme ici. Le stade, ça doit être un monument qui représente la jeunesse de Mayotte. Hein? Un monument qui représente la jeunesse de Mayotte qu'on doit avoir ici. Hein? Quelque chose de très beau. Moi, vous savez, hein, les amis, moi, je suis pour le développement de Mayotte. Ah oui! Je suis pour, hein? Je ne suis pas contre. Je ne veux pas nous voir comme ça. 2040, c'est toujours... On est toujours les mêmes personnes. Ça change pas. Hein. Donc voilà, ça c'est les abords. C'est les abords du stade. Voilà. Les abords du stade de foot Mamoudzou. Donc voilà. Bon, j'essaie de me faufiler. Oh putain! J'ai failli me prendre le pied là. Putain, j'étais pas. En fait, ça, je suis étonné hein, de voir ça. Je suis très étonné là. J'ai jamais remis les pieds depuis. Ben depuis, même quand je vivais à Mamoudzou, j'ai jamais mis les pieds ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Waouh. Punaise. Choc thermique, les amis. C'est un choc, là. Ah, c'est pas possible. Bref. Vous avez... la vue, hein. D'accord. Vous voyez le panorama d'ici pour ce très beau stade. Enfin, ce très beau stade. Cette belle place qu'il y a ici, hein, qu'on peut occuper pour faire un très beau complexe sportif. Et vous voyez, c'est que de la terre. Il n'y a même pas de gazon. Le calvaire. Moi, j'appelle ça le calvaire. C'est un vrai calvaire. Alors, des tribunes. Hein, des tribunes sans couverture à l'air comme ça. Bon, ben, on n'a pas besoin de protection pour la tête. Hein, le soleil, on s'en fout complètement. C'est pas notre problème. Bref. Bon, on va continuer. Hein. On va continuer l'immersion. On va continuer. Il y a des choses très aberrantes. Alors, vous savez, moi j'aime Mayotte et quand je vois ça, après 17 ans, on va dire 15 ans d'absence quoi. 15 ans d'absence, le retour, un vrai choc. Hein.
Alors, si ici on est tout près du lycée de Mamoudzou, hein, d'où le stade bien pourri qui est à côté. Bon, moi je le dis, hein, le stade bien pourri à côté. Bon, ben, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon. Bon, bref. Voilà. Rien que la réalité, rien que la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. Je suis désolé, hein. Désolé, chers frères et sœurs mahorais, de vous mettre à plein la vue. Lycée Younoussa Bamana. Voilà. Alors, qui c'est qui connaît cette zone? Cité de métier. En tout cas, moi, j'ai jamais mis les pieds ici, même en voiture. J'ai jamais mis les pieds. Alors, c'est une découverte pour moi. Et vous aussi, hein, cher internaute, qui êtes là. Alors ça nous amène ici. J'ai jamais mis les pieds ici, moi. Ça, je suis même perdu en fait dans Mamoudzou là. Salam alaikum. Nisakaria. Nisakaria. Alors, ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Je montre hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais descendre un tout petit peu là pour voir ce qu'il y a en bas. Mais j'ai jamais mis les pieds ici. En tout cas, le lycée, il est énorme. Donc, allez. Allez voir ce qu'il y a en bas là. Alors, vous qui êtes sur le live, n'hésitez pas à partager. Hein. On est en direct. Vous voyez très bien les images. On est en direct. Vous voyez la réalité. Hein. C'est une réalité virtuelle, bien sûr. Mais très, 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 très réaliste. Alors, ici, on a quelques bâtiments, des constructions, etc. Je fais juste un petit zoom en bas. Ici encore quelques résidences qu'il y a ici. Ah dis donc, il y a beaucoup de résidences ici à Mamoudzou. Hein. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Alors ici, c'est une école maternelle peut-être. Ah, c'est une crèche. Crèche ou école maternelle? Aucune idée. Alors, peut-être une crèche là-dedans ou une école maternelle. École maternelle plus crèche pendant les vacances, peut-être. Aucune idée. Mais ça a l'air d'être ça. Des résidences en construction. Ici, il y a des résidences qui arrivent. Hein, pour anticiper, les amis, là, c'est en construction, les résidences. Que des résidences dans ce parage-là. Ici aussi... résidences, ouais. Il n'y a que des résidences, donc c'est que des résidences ici. Donc je reviens sur mes pas.
je reviens sur mes pas pour arriver sur le carrefour qu'on a eu. Alors, là on n'est pas à Cavani, on est toujours à Mamoudzou. Toujours à Mamoudzou là. On va bien voir là où ça va nous amener. On est vers les cités de métier pour ceux qui voient. Ok, je vois où on est. Ok, je vois où on est. Alors ici, vous allez découvrir par où on va sortir, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez très bien vous situer là, après cette route. Oh, je suis envahi par des... N'hésitez pas à partager les amis, le live. Merci pour votre soutien. Partagez. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, partagez. Ça serait gentil de votre part. Alors, on va sortir au niveau du rond-point. Rond-point de Baobab. Baobab. C'est pas celui-ci, c'est celui-là qui est en bas. Pas loin de Balou, si vous voyez Balou. D'accord, si on prend à gauche ici, on va sortir chez Balou. Le grand manguier que vous voyez, vous connaissez, vous voyez sur quelle zone on est. Voilà, on est ici. Vous avez vu. Donc on continue, hein, on reste sur Mamoudzou. Le focus est là. Alors il y a un quartier ici, j'ai jamais mis les pieds. On va aller passer. Alors là, on va prendre ici, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Hein. Voilà. Ah, Balou va construire ici. Ok.
qu'est-ce qu'il va faire là? Alors on a ici, vous avez vu, est-ce qu'il y a un chemin là-bas? Je suis jamais passé ici. Jamais. Est-ce que c'est une impasse ou c'est une route? Ça compte. Les amis, alors on a été coupé une fois, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter. Allez, on va continuer ici sur cette zone à côté de Balou et on va remonter vers Mamoudzou centre. Allez, let's go, c'est parti. Allez, on continue. Alors désolé parce qu'on a été coupé. Toujours, ça fait trois fois que ça saute là. Alors ici on est vers le magasin Balou. Alors, on est sur ce côté-là de Mamoudzou. On arrive ici, voilà, et ici direction, on va aller vers Balou. Salam alaikum, ça va. On va aller vers Balou. Ici les rues ont très très évolué ici, hein, les rues, bon, super, hein. Mais les stades, ça reste bof, le stade de Mamoudzou, bref, zéro. Alors ici, on est sur un quartier aussi très résidentiel et très commercial aussi. Les deux à la fois, très commercial, très résidentiel. Ah, ici, les prix, ça fait froid dans le dos. Hein. Quand tu regardes les prix, ça te fait un choc. Hein.
choc thermique. Alors ici, en haut, des résidences, hôtel, c'est une hôtel celui-là, encore c'est un indien qui tient ça, hôtel Maharaja, un indien, ouais. Place aux étrangers, place aux étrangers, les amis. Ah oui. C'est eux qui ont le fusil ici. C'est eux qui ont le gros calibre du fusil. Alors. Alors les amis, ceux qui cherchent un magasin coranique, hormis la place de Mamoudzou, à côté du bazar, où on vend beaucoup de Coran, il y a un magasin ici qui est très bien. C'est celui-là, ça vend des tapis de prière. Ils vendent de tout dedans. Donc ici, cette place-là, hein, d'accord, librairie musulmane de Mayotte. Voilà, en face, là, ici, là. Et sur la rue commerciale que je vous montre ici, quand vous prenez la rue qui fait éruption à côté de la mairie de Mamoudzou, eh ben cette rue commerciale, vous allez arriver dessus. C'est la petite info. Hein. Alors je vais regarder un petit peu vos commentaires parce que je suis concentré. Ben, je veux dire par là, c'est eux qui ont le plus gros calibre du fusil à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, ici, quand un Mahorais demande quelque chose, il ne l'a jamais. Que ce soit au niveau du projet, du résidentiel,
etc., etc., des postes aussi qui sont très honorables, ben, la priorité n'est pas pour le Mahorais. Voilà, tout simplement. D'où le gros calibre du fusil. Hein, l'expression parle, hein. Donc on va arriver à l'hôtel de ville de Mamoudzou, la mairie de Mamoudzou. L'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville Mamoudzou. Ici on a l'hôtel de ville en face. Conseil départemental est un petit peu en haut, ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel, on arrive sur les embouteillages. Et oui, ça y est, hein. Vous assistez aux embouteillages. La hantise de Mayotte, les embouteillages. Alors là, Mamoudzou, bienvenue. Bienvenue, Mamoudzou. Alors, si tout le monde à Mayotte favorisait la moto, les vélos, pour les résidents qui sont à Mamoudzou, eux-mêmes, ils se déplacent en véhicule. Ceux qui sont à Cavani, Mtsapéré, etc. Si tout le monde avait des vélos, accessibles aux vélos, ben, il n'y aurait pas tout ça. Ah, mais moi, je suis désolé, hein. On a une toute petite île, eh ben, tout le monde veut avoir un véhicule. Tout le monde veut avoir un véhicule. Et comme tout le monde veut avoir un véhicule, regardez ce que ça fout. Il y a le bordel partout. Il y a des bouchons, les bouchons qui s'accumulent là. Ouais. On doit se rendre à pied partout. Ça va ou quoi? Oui.
Ça va, ça va, bro. Ça fait plaisir de te voir. Non, non, tu vois pas, Banam. Ça va? Ouais, ça va. C'est un petit nom. Filmé, man. Filmé, hop. Ouais. Ça se passe, sinon? Ouais, tranquille. Ah, bah, c'est bien, ça fait plaisir, moi, Nyang, comme c'est. Eh, passé, Arna, Facebook, le Nyang, chier. Karazmoun, j'étais au Genoun. Ouais, bah oui, ouais, pourquoi oui. pas? Oui, oui, oui. Ah, vas-y, je passerai sur ton truc là. Ouais, ouais. Si, si. Stop, Joe. Oui, yes. Bon, c'était un pote, un ancien collègue. Alors, Mamoudzou, centre. Mamoudzou, bienvenue. Bienvenue là-bas. C'est toujours en panne ici, hein. Les horaires de merde.
Hein, c'est toujours la même chose, hein, les mêmes postes hein, depuis 17 ans maintenant. C'est le même poste que tu vois là. Ça fait 17 ans là. Ce même poste là, ça fait 17 ans que c'est là. De l'office de tourisme, il y a les jeux pour les enfants, hein. Vous pouvez venir amener vos enfants. Mamoudzou, donc centre-ville, le bazar que vous venez de voir, la place de Brochette qu'on voit ici et la place des taxis aussi. Alors, tout de suite vous allez voir les piscines olympiques, les piscines olympiques de Mamoudzou. Il y a des grandes piscines ici. Je vais vous montrer. Voilà. Elles sont là. Voilà. Voilà. Petite piscine quand il pleut. On a un petit bassin ici. Qui est super. Super bassin. Il y a un gros trou qui est là-bas aussi. Ça, c'est le parking de Mamoudzou. Donc je tiens à le répéter, moi j'aime beaucoup le montrer hein, parce que c'est une fierté, d'accord. Voilà, voyez l'exemple, voyez, regardez, ça c'est un parking de la capitale de Mamoudzou. Regardez, voilà, hop, voilà. Alors ici aussi,
Le trou, en fait, il y en a partout. Hein. Des nids de poules, il y en a partout. Ça, on peut pas empêcher Mayotte de ne pas avoir des trous quand ils font les routes ou les parkings. Hein, c'est toujours premier niveau et puis voilà. C'est bon. Ah, je suis pour rien, les frères et sœurs. Hein. Ce n'est que la réalité des images. Voilà. Tu vas où? Là ou là? Alors ici, il y a une petite piscine aussi. Hop, hop. Voilà. Ah, il n'y a pas d'évacuation. Hein. Voilà. Petite rétention.